Salut à tous! Salut! Alors voilà, on reprend la route, on quitte la Haute-Savoie et les montagnes en direction du sud. En direction du sud, en espérant avoir le soleil et la chaleur du sud, sauf que voilà, la neige ne nous a pas laissé tranquille tout de suite. On va avoir 2 jours de neige encore. Et du coup, les enfants en profitent pour faire 2 activités dans le camion qu'on a pu emmener. Pâte à modeler, coloriage, activités aussi scolaires pour Abigail, oui. et puis ludique pour Alban. Donc voilà, les quelques jours là de descente, on a profité de l'intérieur du camion et ça s'est plutôt bien passé, c'était agréable. Ouais, de se retrouver tous les quatre, laisser un peu tout le monde et vraiment de vivre tous les quatre dans le camion, c'était chouette. C'est ça, prendre nos marques dans un espace réduit. Avec mauvais temps à l'extérieur, donc ça a été une belle découverte. Et puis derrière, le temps s'est amélioré. Voilà, le temps s'est amélioré. On est parti, du coup, on est arrivé en Ardèche. En Ardèche, on a rencontré pendant que Ben et les enfants faisaient une partie de pêche, il y a des personnes qui sont arrivées vers nous, vers moi. Ils m'ont dit, oh, mais on vous reconnaît et tout, vous seriez pas par hasard les petits du Fort aux Libres. Et du coup, effectivement, ce sont les Ardèche Baroud qui nous suivent depuis le début et avec qui on a passé quelques jours, du coup. Très sympa. Très sympathique. Donc, les Ardèche Baroud, on vous mettra le lien, leur page YouTube, qui ont un super projet aussi qui ressemble au nôtre. C'est pour ça que les quelques jours ensemble ont été vraiment sympas à parler de voyage, notre expérience, nos camions. Les deux camions se sont rencontrés, hein, Charlie et Marius, eux étant d'Ardèche, nous ont dit bah, tiens, venez passer la soirée à la maison au lieu de rester ici, et puis demain on va aller faire des pistes en camion. On a découvert les pistes ardéchoises, super sympa, des lieux magiques, on est monté en altitude par des routes caillouteuses très serrées, ça a été vraiment une expérience à la fois stressante mais magnifique avec les camions, et puis pour finir avec une balade à pied sur des ruines d'une forteresse, que des journées comme on aime avec des gens qu'on aime rencontrer. C'était vraiment très très chouette, d'ailleurs on les salue, on fait des gros bisous et puis on se revoit au SVA bientôt. We'll be right back.
ces quelques jours, on a repris la route. Ouais. Et on reprend la route direction Vallon-Pont-d'Arc. Et du coup, juste avant de partir, merci Mehdi, tu nous as donné un petit itinéraire par un col qui était assez sympa, une route très abrupte, je ne sais plus combien il y avait de pourcents de... Je crois que c'était 14% sur plusieurs kilomètres. 14%, donc du coup, le camion, on sentait bien quand on était en pente. Et en fait, ça s'est très bien passé, une route bitumée, donc c'était assez cool. Et on a vu des paysages juste magnifiques, donc merci Mehdi. À travers les pâturages, les moutons, etc. Vraiment, on a pris beaucoup plus de temps que si on était resté dans la vallée, mais c'est vraiment ça le voyage, c'est de prendre des routes où tu mets du temps, où tu apprécies le paysage. Et aussi, on n'a pas un camion comme ça pour faire de la nationale ou de la départementale. C'est vraiment, là, il était dans son élément, donc ça nous a passé une partie de la journée pour faire ces quelques centaines de kilomètres. Hein, il n'y avait pas grand, mais on a pris le temps, voilà, donc c'est cool. Et Vallon-Pont d'Arc, il y a des affiches partout, camping-car interdit, on ne peut pas se poser, etc. Mais on s'est dit, on est hors saison touristique. En plus, avec le Covid, aucun camping, rien d'ouvert. On s'est dit, on va voir. Et puis, on a trouvé quelques spots, mais pas terribles. Jusqu'au moment où, en surplombant l'Ardèche, on voit des gens dans un camping travailler. On s'est dit, bah tiens, on va aller redescendre, on va aller les voir et puis voir s'il y a moyen de moyenner quelque chose. Et on tombe sur Yann, une personne extraordinaire, une équipe d'anglais qui venait de racheter ce domaine. Et on explique notre projet, ce qu'on fait avec les enfants. Il nous dit, pas de problème, allez vous poser. Où vous voulez, c'est chez vous. Le ici. Temps que vous voulez. Le temps que vous voulez. Enfin, super accueil, magnifique. Ouais. Nous sommes une équipe anglaise, donc on voulait partager cette beau endroit, mais avec des enfants, on voulait qu'ils n'aient pas l'opportunité à ce moment de voyager en Angleterre, les collégiens et tout ça. Donc nous, ce qu'on propose, c'est la colonie pour les enfants, les ados et les familles d'apprendre l'anglais. Mais c'est avec l'aventure. Donc c'est pas juste le cours d'anglais, c'est le canoë, le kayak, l'escalade, le spilio, tout livré en anglais. Donc c'est une immersion totale et ça va être chouette. C'est une aventure. Nuit du coup parce qu'on est attendu après, mais pour la nuit on s'est posé sur les bords de l'Ardèche, on a pu prendre la canne à pêche, on a encore essayé la pêche, mais bon, ça n'a pas marché, on n'a toujours pas mangé de poisson. Ouais, faut que j'aille voir mon copain Gaëtan pour qu'il me donne des petites combines, mais on a passé, c'était l'apprentissage aussi avec les enfants, vraiment on s'est posé à leur apprendre à pêcher, à patauger dans l'eau. Et tout le monde a bien aimé, c'était franchement sympa. Un bon? T'as bien lavé? Oui. Okay. Et là, il faut encore, parce que dedans, il y a encore du sable. Ah, ok. Fais attention de ne pas glisser, hein. J'arrête tout de suite, super moment, hein. On va y revenir, parce que du coup la soirée on se pose tranquille, on fait à manger, on mange, on fait nos douches, et puis à un moment donné, le moment où je fais la vaisselle, je dis à Ben, je dis, oh, bizarre, il n'y a plus d'eau qui sort, et puis on entendait la... Elle sortait, Non, l'eau chaude ne sortait plus, et l'eau froide commençait, sortait, mais on sentait qu'il y avait quelque chose, et puis la pompe, elle tournait. Je dis à Ben, il y a un souci. Et Ben, t'étais au niveau de la douche, et du coup, je croyais que lui, il faisait couler l'eau de la douche, et que c'était pour ça. Et quoi, en quelques secondes, il dit, mais c'est quoi ce bordel? Et au final, il y avait une grosse fuite d'eau, et c'est le tuyau du chauffe-eau. Ouais, en fait, le chauffe-eau, il y a un collier, mais c'est des colliers
j'ai utilisé un collier à gaz où l'écrou se coupe, enfin bref, et il s'est desserré. Donc toute l'eau qui ressortait du chauffe-eau vers l'eau chaude est partie dans le camion. Donc mais on a eu les bons réflexes, couper toutes les arrivées d'eau, jeter des serviettes, tout éponger, etc. Mais il y a 10-15 litres d'eau, tout le chauffe-eau en fait, qui s'est écoulé dans le camion. Donc c'était notre première inondation. C'est pour ça que vous voulez tester de toute façon, que vous voulez partir là ces deux mois pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et donc là, ce collier n'allait pas. Et vu qu'on a fait quand même beaucoup de pistes en Ardèche avant, le petit collier que j'avais a dû se desserrer gentiment jusqu'au moment où la pression a fait que le tuyau s'est enlevé. Mais voilà, on a tout épongé, tout remis, j'ai réparé la chose, on a fini nos douches, avec le petit stress que ça recommence. C'est ça. Chaque fois je disais à Ben, non, tu vas pas loin parce que je suis pas sereine quand même, savoir si ça va marcher ou pas. Et au final, ça a pas recommencé. Donc, on touche de la peau de singe. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, on est parti après au frontal. Au frontal. Alors, qu'est-ce que le frontal? Le frontal, comment alors, attends. En fait, on allait voir une de mes potes, Flora. Et Flora, je lui dis, tu m'envoies ton adresse, comme ça on va pour retrouver plus facilement sur la carte. Et elle me donne son adresse et en fait, elle me donne le code postal avec le frontal derrière. Je lui dis, oui, mais t'as bien un nom de rue, t'as bien un lieu dit, quelque chose. Elle me dit, non, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est vraiment pas grand. Et du coup, on arrive, on va se paumer dans les montagnes. Ouais, déjà, faut savoir qu'il y avait 12 km. Oui. 12 km, on a mis 35 minutes, 40 minutes à arriver. De la toute petite route sinueuse mais pas montagneuse, vraiment quelque chose de différent qu'on connaissait pas. À bord de falaise, passer sur des petits ponts, enfin c'est et puis la largeur du camion quoi. Et un paysage magnifique. Le souffle. Dans les châtaigniers et donc on est arrivé sur place et là grand étonnement par la beauté, par la grandeur de ce village. Oui. C'est ça. Et puis les habitants, il y a quoi? Il y a 10 habitants à l'année dans ce petit village. Alors il y en a un peu plus l'été. Et il y a des maisons qui sont super, qui sont magnifiques, qui ont bien été rénovées. Ouais. Et il y en a d'autres, c'est des ruines où il y a des arbres qui poussent à l'intérieur et tout ça. Il y a vraiment un mélange de tout avec des pierres, des petites ruelles empierrées. C'est juste magnifique. We'll be right back.
top. On en a bien profité avec des gens super sympas, des paysages magnifiques. C'était super reposant, ça nous a fait beaucoup de bien ce séjour au Frontal et l'Ardèche en général, on a vraiment apprécié. Maintenant, il est temps pour nous de reprendre la route, de redescendre un peu plus au sud. Si vous nous avez suivis sur les réseaux, vous avez vu et vous savez à peu près où on va. Mais on réserve pas mal de surprises, donc on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Continuez à nous envoyer plein de messages, on essaye de répondre à tout le monde. Ça nous fait beaucoup de bien, ça nous aide à avancer, vos critiques toujours bonnes, mais vos avis nous intéressent aussi. Et on essaye de s'améliorer de jour en jour pour que les vidéos soient de mieux en mieux pour vous. Donc on vous dit à bientôt. Et puis voilà. Gros bisous à vous. Bisous bisous, à la prochaine. We'll be right back.